François Petit, donc un des cofondateurs de Evolize. Donc Evolize a un ERP pour les TPE qui produit de la comptabilité que l'on envoie ensuite dans MyUnisoft. Donc je laisse la parole à Régis. Et Régis Samuel, expert comptable, CEO, cofondateur de MyUnisoft. MyUnisoft est une solution de production comptable conçue sous le mode du first and bias. On s'est rencontrés en Hongrie. À Budapest. À Budapest, ouais. Espace Innovation, où en fait ils avaient invité des éditeurs pour parler un petit peu de ce qu'on faisait, quoi. Et puis c'est là où on s'est découvert. Et depuis quand? Ça c'était quoi? C'était en 2016? Ouais, à l'époque, moi j'étais pas vraiment éditeur. J'étais venu au congrès de Bruxelles pour présenter la solution qu'on utilisait au sein de notre cabinet. Et Gauthier Roussel ne m'a invité et à ce moment-là, on s'est rencontrés en 2016. Et puis quand on a, nous, un petit peu mûri sur le projet, on s'est dit que ce serait intelligent de pouvoir avancer ensemble. Exactement. Nous, notre objectif, ce n'est pas du tout de faire de la comptabilité. Nous, on parle aux clients. D'ailleurs, on vend aux clients. Donc notre but, c'est que la solution que le client va utiliser, elle puisse en rentrer en compétition avec n'importe quelle solution du marché qui ne prendrait pas en compte les experts comptables. Donc nous, la spécificité, c'est qu'on fait un peu le grand écart entre le monde de l'entreprise et le monde de la comptabilité. Donc nous, on est très fort en entreprise. Voilà, on est un outil qui se veut simple, sans termes comptables. On élimine tout ça, on le gomme parce que ça n'intéresse pas le client. Mais pour le coup, on est capable de discuter avec des outils comme MyUnisoft et de comprendre exactement ce qu'ils ont besoin pour leur passer la main au bon moment et du coup en douceur par rapport au client final. Donc pourquoi on s'interagit, c'est que chacun son métier. Nous, on s'occupe de l'entreprise et Régis, avec MyUnisoft, la compta. De notre côté, nous, notre objectif n'est pas de produire de la facturation, de s'intéresser aux usages complets du chef d'entreprise. C'est simplement de sortir de la compta, pouvoir récupérer tous ces événements. Et donc évidemment, il faut s'appuyer sur des solutions expertes sur ce type de situation. Et c'est pour ça qu'on s'est connecté ensemble. C'est ça. Finalement, ton Forest Barus, c'est pour les cabinets comptables. Et nous, c'est la même chose. Nous, on dit souvent qu'on est un outil fait par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, qui est exactement finalement ta même devise. Exactement. Et donc du coup, voilà, chacun son monde et on fait les passerelles intelligentes. Elle est unique parce qu'elle est très simple. Je veux dire, souvent, les interfaces entre des outils clients et des outils de production, c'est souvent un peu archaïque, c'est des échanges de fichiers. Alors que non, là, avec MyUnisoft, on a un outil qui est moderne, avec des technologies modernes et avec un esprit ouvert. Exactement la même philosophie que nous. Donc finalement, on a un outil ouvert, MyUnisoft, c'est un outil ouvert, on a fait des choses comme n'importe quelle société informatique qui sont dans l'informatique aurait fait pour leurs clients. Voilà, on est avant tout basé sur l'usage, voilà, sur l'expérience utilisateur. C'est ça qu'on a beaucoup travaillé, l'expérience utilisateur, qu'elle soit la plus simple possible. Et en plus, on est en train de travailler dans les deux sens, parce que du coup, ce n'est pas que Evolize qui va pousser vers MyUnisoft, mais c'est aussi MyUnisoft qui va nous partager aussi de l'info, toujours dans l'intérêt du client. Alors ça, c'est vraiment l'objectif, c'est d'y aller step by step. Donc au début, on n'a pas été, on voulait déjà initier des premiers usages et petit à petit, on avance ensemble pour aller de plus en plus loin et sur une richesse encore plus forte sur cette interopérabilité. C'est plus que ça, c'est-à-dire que évidemment, c'est une liaison technologique, mais c'est aussi une offre commerciale qu'on embarque directement au sein de MyUnisoft, c'est-à-dire qu'on nous-mêmes on vend du Evolize parce qu'on y croit, parce que c'est une belle solution, parce qu'elle est complètement interopérée, parce qu'elle est française, parce qu'elle répond à nos valeurs. Et donc on avance ensemble, on crée ensemble et on va de plus en plus imaginer des nouvelles fonctionnalités ensemble. Ouais. Et puis finalement, le partenariat qu'on fait, le fait de faire un stand commun avec une marque commune, on voit bien que ce n'est pas que technologique. Finalement, on a aussi un discours commun. Nous, on pousse beaucoup MyUnisoft parce que ça va dans le sens de l'évolution de la profession comptable. Voilà. Il y a énormément de retours très, très positifs des utilisateurs qui sont emballés à la fois par Evolize, par MyUnisoft et aussi et surtout par notre interop. Les retours sont très, 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 très positifs. On est quand même venu avec des ambassadeurs communs.
Donc je pense que c'est, ça traduit bien le fait que les deux univers fonctionnent bien. On sait déjà, hein, on est dans le temps réel. Donc là, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de passer du... il se passe des choses dans Evoli, ça alimente Magnisoft parce que j'ai une action manuelle. On veut passer à... Je dirais pas qu'une seule appli, mais quasiment. Hein. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose d'un côté, naturellement, ça se déverse. Que finalement, même Magnisoft puisse créer des comptes, même dans Evoli, en disant bah, « je veux déployer Evoli, ça se crée tout seul ». On a déjà fait du SSO ensemble. Exactement. Une interop parfaite entre les deux solutions. Voilà. Le plus en temps réel est parfaite. Voilà. Venez découvrir ce que c'est que deux éditeurs qui sont ouverts dans le, et qui avancent dans l'évolution du futur métier de la profession. Parce qu'évidemment, c'est ce qui nous intéresse, c'est de, d'accompagner dans la transition digitale les cabinets comptables et leurs clients. Voilà. Donc c'est... Grâce à Evoliz, on a la banane en faisant de la compta, donc c'est bien.